La formation politique Tahawo Sénégal maintient le cap de sa tournée nationale baptisée Motalié né dans l'ensemble du Sénégal. La dernière étape de cette initiative a récemment marqué son passage dans la région de Kaolack avec des étapes à Guinguinéo et Nioro. Les membres du mouvement expriment leur profonde gratitude envers les populations locales qui les ont chaleureusement accueillis au cours de cette tournée axée sur la proximité. Placée sous la direction du président Khalifa Sall, la tournée Motalié s'est fixée pour objectif de couvrir l'intégralité du territoire sénégalais tout en prenant en compte les préoccupations et les aspirations de la diaspora sénégalaise. Le principal objectif de cette initiative est d'établir un dialogue ouvert et constructif avec leurs compatriotes dans l'optique de contribuer à la construction d'un Sénégal basé sur les valeurs de paix, de prospérité et de cohésion nationale. L'année 2023 a été déclarée comme l'année de la mobilisation où tant le Sénégal s'engage à rassembler ses forces pour le bien de la nation. En 2024, il ambitionne de faire cette année une année de victoire au cours de laquelle les aspirations du peuple sénégalais seront prises en compte dans la création d'un avenir meilleur.